Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de Narita Boy. Et non, ce que je dis ne colle absolument pas à mes lèvres, parce que j'ai eu un problème lors du début de l'enregistrement de cet épisode, mais je m'en suis pas aperçu tout de suite. Donc, j'enregistre ça après coup, mais je vais malgré tout vous lire le petit texte qui va suivre. Ne vous inquiétez pas. Donc là, vous avez compris, je suis perdu, comme d'habitude, plus ou moins. Ok, voilà le pub. C'est parti. Trop bonne musique, hein. Juste trop bonne musique. Où avons-nous failli ? Ne vous tracassez pas avec ça, ce sont des données obsolètes. Vous connaissez le poème de Météorin? Le programme Météorin, la dame de la cascade? Carte mère l'a téléchargé au dépôt lors de la mise à jour du nouveau cycle. Bienvenue à la capitale, Narita Boy, vous m'avez trouvé. Nous étions très inquiets avec la porte scellée. Nous ne recevions aucune nouvelle de l'extérieur. Prenez cette techno-clé, elle vous donnera l'accès à notre chapelle dans laquelle vous trouverez ce que vous cherchez. Narita Boy, j'ai enfin écouté mon cousin. Je suis venu à la capitale pour travailler avec lui. Je croyais échapper à l'invasion des étalons en venant à la capitale, mais clairement, c'est pire ici. Éliminez-les, Narita Boy, restaurez l'harmonie et ramenez la paix sur le royaume numérique. Eh bien, on va essayer. Est vraiment trop cool. Là, je suis en train de noter le petit symbole qui est au-dessus de la porte. Parce que je sais qu'il y a un code à trouver. Et je ne sais plus où est l'endroit où je dois me rendre. Donc je pars évidemment d'abord du mauvais côté. Vous connaissez les bails. Et finalement, je change d'avis. Et voilà une mémoire du créateur. Une des dernières d'ailleurs. Et le son va maintenant revenir. Donc retour avec le record original. Ok. Alors. Ok. On y va. Elle est venue me rendre visite, ma femme. Elle a amené mon fils, l'élu, le trichrome consacré. Ils étaient là, tous les deux, tels les rayons du trichrome qui manquaient dans l'équation perdue. Est-ce qu'on est le père du créateur? Ce serait fou, ça. Ça a ramené l'équilibre des choses. Grâce à lui, je parviens à me concentrer. Il m'a aidé quand le rayon pourpre m'avait totalement consumé.
En partant du centre, Naka, j'ai réussi à me reconnecter au trichrome. L'équation est redevenue stable et j'ai pu effacer lui de l'architecture du système. Enfin, c'est ce que je croyais. Vraiment la Team Rocket là-dedans. Ok, c'était court. Il en reste deux. Deux petits, plus le souvenir corrompu. Donc trois, en réalité. On verra bien. Cette main me fait tellement penser au génie d'Aladin. Mais ceci est une autre histoire. C'est l'un des totems qui s'exécute dans la capitale. Carte mère nous autorise à étudier la nature de ce code aussi mystérieux que spontané. Mais nous devons utiliser du code à faible intensité, du papier et des bics, pour ne pas altérer le flux des données entre le totem et le code source. Nous avons beaucoup appris sur les mécanismes totémiques, notamment sur la stabilité du code, et sur la manière dont tout est connecté. Nous vous envions, Narita Boy, car vous êtes le seul à pouvoir invoquer le code totémique avec lequel communiquer, créer un lien et accéder de manière cryptée aux mémoires du Créateur. Des étincelles de conscience cosmique que nous ne pourrons jamais connaître. Mais c'est en partie ce qui fait la beauté romantique et le mystère de notre création. Tout à fait. Salut les bros, on se la donne ou quoi? Le colosse N, la puissance exposant N, l'amélioration ultime. La puissance est votre, la gloire est votre. Allez dans la rue, gravissez l'axe de l'harmonie et marchez, écrasant les étalons au cours de votre progression vers la liberté du royaume numérique. Allez, soyons fous. Moi je veux Big Narita. Merci les bros. C'est tout? Ok. J'ai tard de voir ce truc. Est-ce qu'il me dit un truc différent lui du coup? Non. Non, me parle plus, c'est bon. Du coup, je vais où? Bon, je vais bien. Je suis dans la rue, là. Oui, d'accord. Ah, c'est lui. Oh la vache. Ok. Planquez-vous, les gars, j'arrive. Colosse Narita maîtrise tous les déplacements basiques de Narita Boy. Saut, attaque, esquive, percussion de l'épaule, hypercute, frappe et frappe culminante. Utiliser sa puissance destructrice pour balayer les étalons géants. Ok. Effectivement, je confirme. Sale bête. Sale bête. Je peux pas me baisser, remarque, avec lui. Mais je peux faire ça, faut que je me rappelle. Genre. Bim. Motherboard. Ceci est un enregistrement, reproduction du message crypté. Narita Boy, si vous recevez ce message, cela signifie que lui a réussi à me capturer. Je soupçonnais qu'il était sur ma piste, à m'observer, à apprendre.
J'ai remarqué la présence de son code en serrant certains segments du mien. Il a profité de cette opportunité. Une porte dérobée donnant accès à mon code, et maintenant, il m'a capturé. En me gardant prisonnière, lui compte en réalité vous attirer à lui et vous affronter lors d'une bataille ultime. Il sait que si vous libérez toutes les mémoires du créateur, ce dernier se souviendra et réalisera que lui s'est insinué dans son code. Une fois le créateur éveillé, c'en sera fini de lui. Mais lui est pleinement conscient de cela et ne vous laissera pas faire. Avancez prudemment, mon cher héros numérique, car lui est plus puissant que jamais. Ok, c'est tout ? Là, il y a une porte. Très bien. Ça, c'est le mémoire du créateur, déjà. Rapide. Et les dernières, elles s'enchaînent très rapidement, en fait. Je pense que la fin, en réalité, n'est pas si loin que ça. Intéressant ça quand même. Oui, il me reste celle-ci qui est corrompue, à laquelle j'ai pas accès. Autrement, il me reste plus que ces deux-là, quoi. Je me souviens avoir senti le trichrome redevenir puissant en moi. Après la séparation, j'ai concentré mon amour sur mon fils et le projet qu'il m'a inspiré, Narita One. Un ordinateur qui fonctionnait comme un portail vers le royaume numérique. J'ai compilé mes visions du trichrome dans une machine qui était unique à l'époque. J'ai aussi conçu un jeu, Narita Boy, sur l'histoire du sauveur du trichrome, parce qu'il est mon sauveur. Il m'a sauvé du code pourpre où je m'étais égaré. Une fois le travail achevé, j'avais juste besoin de trouver un distributeur pour commercialiser Narita One et son jeu, Narita Boy, l'hommage à mon fils. Une vieille entreprise de machines à sous a montré de l'intérêt pour mon projet. Les négociations n'ont pas traîné et un accord a vite été trouvé. Je suis allé rendre visite à mes partenaires avec le prototype finalisé pour rédiger le contrat. À mon grand étonnement, j'ai réalisé que les dirigeants de cette compagnie n'étaient autres que les anciens partenaires d'affaires de mon père. Leur visage me renvoya à ma vie antérieure au Japon. Des décennies auparavant, à l'époque où il m'avait abandonné, jeune garçon. J'ai quitté la table, laissant le contrat sans signature. J'ai fui comme il l'avait fui, parce que je savais que la douleur que je commençais à ressentir allait grandir, jusqu'à invoquer lui, et le rayon pourpre allait revenir pour déstabiliser le trichrome. Une convention, ça. Alors j'ai décidé de prendre en charge, personnellement, la distribution. J'ai présenté Narita One à la presse, en même temps que son jeu exclusif, Narita Boy. Le bouche à oreille a fait le reste. Ok. Intéressant.
Ok, Aladdin. Ok, le génie, on va par là. Pas de soucis. Ah, cette musique ne m'inspire guère. Que se passe-t-il? Ah bah, je peux pas y aller. Oh la vache, je fais exploser direct. Très bien. Intéressant, il n'est pas paru du même côté. C'est un peu overkill, je l'admets. Oublié. Secours. Ah la vache. Ah il est rouge, je crois qu'il était jaune. Mais pas du tout. Tiens, esquive. Alors on a droit à la totale. Hein. Oh, l'a-t-il caché, le vicieux. Ok, les frérons. Aïe! Ouh, c'est dur! Ok, ok, je reprends au début. Évidemment. Si je l'ai eu. Ouais. Nice. Pas du tout.
Bonne chose de faite. Voilà. C'est lui. Ressens la douleur, carte mère. Libère-toi et ressens le vrai rayon pourpre qui coule dans ton code. Narita Boy, de grâce, détruis-le. C'est maintenant ou jamais. Nous sommes dans le noyau. Lui est dans le noyau. Le royaume numérique court un grand danger. Terrible l'animation qu'il y a derrière. Rappelle Akira un peu. Toi et ton héros numérique serez bientôt obsolète. Vous serez supprimé du code une bonne fois pour toutes. Toi, Narita Boy, je te méprise. Tu n'es qu'une vermine qui nous détourne de notre objectif et ta mission est vaine. Tu sais bien que tu ne peux pas effacer mes étalons seuls. Le code source grouille de verre qui génère des portes dimensionnelles à notre attention. Ton créateur est le seul capable de nous retenir et il a oublié. Quant à toi, tu vas tout de suite être supprimé du code. Prépare-toi à ressentir la vraie force du Trichrome. Ok. Salut. Alors, qui c'est qui ressemble quoi là? Quoi non? Ah, excusez-moi. Quoi, l'animation elle est folle. Aïe. Aïe. Ça fait fou le dégât quand même. On va se méfier. Quand même que je reprenne de la vie quelque part hein. Pas du tout hein. Il m'a tué. Ouh, ça va être compliqué cette histoire. Ça peut pas déjà être le boss de fin. Voir, ça va se finir par deux souvenirs. Ok. Ouf. Ah, t'as kiffé? Pardon? Mais t'es dégueulasse. Eh, il a pas pris de dégâts? Vraiment? Au secours? Voilà. Aïe! Ah, dommage. Ah, dommage. Ma butée. Je pense que j'étais pas trop mal parti. C'est dommage. Après, c'est le boss de fin. Si je le bats d'un coup, c'est pas normal. Ouais, d'accord. Je rappelle qu'un petit clignote, il a moins de trou devant lui.
Ah, il est capable de l'envoyer derrière. Incroyable. Il lit mon code. Je crois qu'il faut que je bute chacune de ses forts. Je vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est un truc comme ça. Ouais, vous voyez, cette forme, elle a souffert. Ouh. Un peu useless. Pardon ? D'accord. Pourquoi il bouge pas ? Oh ! Sale bête ! Ah, chaque fois je fais la même. Oh, toujours plus ! Aïe! Faut que je fasse gaffe. Je fais n'importe quoi. Ok. Oh! Ben sérieux, lui? C'était quoi cette attaque? Sérieux? Comment tu as fait? Comment as-tu pu vaincre ma forme numérique? Oh!
ne crois pas n'avoir fini avec moi. Je conçois ce plan depuis longtemps, bien avant ton existence. Tissant le doute, instillant la peur, chuchotant et conspirant dans l'ombre, ourdissant mon plan pour que l'ensemble converge à un tout logique. Le moment est venu de poursuivre l'invasion des étalons chez toi, sur Terre, car je désire conquérir votre dimension, mettre un terme aux humains et habiter votre âme. Pour la première fois, nous vivrons en dehors du code source, loin de son architecture systémique. Et nous vous détruirons dans vos foyers. Nous vous détruirons. Tout à fait. Oh la sale bête. Secourir Cartemer. T'es où Cartemer? Salut les mecs. Ah, le bébé. Vous avez réussi, fils du Trichrom. J'ai toujours su que vous réussiriez. Vous avez combattu courageusement, avec cœur et détermination. Désormais, vous n'êtes plus seulement un héros. Vous voilà un maître du Trichrom, un programme superviseur. Merci à vous, Narita Boy. Je suis très fier de vous, comme une mère est fière de son fils. Narita Boy, vous pouvez désormais libérer la dernière mémoire et restaurer l'intégrité de la mémoire du Créateur. Une fois la mémoire restaurée, le Créateur pourra supprimer l'événement étalon du système. Oh, c'était mignon. L'heure est venue d'aller au bain public. Grand-mère nous y attend. Je sais que l'eau est très chaude, mais tu sais que ça détend et tu dors mieux après. Nous allons rentrer à la maison en train, le train de la ligne rouge, celui qui traverse le village abandonné que tu aimes tant. Une fois à la maison, je te préparerai des nouilles aux champignons des bois, ton plat préféré. D'ici là, mon Liu-Chan, chérie, tu peux jouer un moment au chevalier avec papa. Et tu peux grimper sur son dos et chevaucher dans le grand désert. Après, ce sera l'heure du dodo, et tu me demanderas de te raconter l'histoire du samouraï et de son épée aux trois couleurs. L'histoire du courageux samouraï qui a sauvé les paysans du démon maléfique et de ses troupes infernales. Et quand j'en serai à la moitié, tu t'endormiras et tu commenceras à rêver de cet endroit mythique. L'endroit où tu te rends toujours dans tes rêves. Cet endroit que tu appelles le royaume numérique. La petite dent à Nord qui va bien. Ça a été compliqué, un gros combat. Mais ceci dit, il nous manque toujours celle-ci. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et puis lui, s'est évadé, a priori. Je me rappelle ma hâte de donner le tout premier prototype de Narita One, la console d'origine, à mon fils. Ah, la DeLorean. Sachant également au plus profond de moi que c'était un cadeau empoisonné. Car je savais qu'il était l'élu, et je savais que lui avait exploité ma vulnérabilité pour déstabiliser et attaquer le royaume numérique. Je savais aussi qu'un jour,
il élaborerait un nouveau plan diabolique pour essayer d'arriver à ses fins. C'est la raison pour laquelle la toute première console Narita One est parvenue entre les mains de mon fils. Ouais, c'est bien la chambre du début du jeu. Effectivement, donc on joue bel et bien le fils du créateur. Et pour cette même raison, mon fils n'a jamais cessé de jouer à Narita Boy, explorant et assimilant le royaume numérique à travers cette simulation rudimentaire. Parce qu'un jour, il allait recevoir un appel de sa part, carte mère. Un appel à l'aide pour sauver le royaume numérique. Un appel pour Narita Boy. Est-ce qu'on a un ultime affrontement? Dans le monde réel ou pas? Oui, il s'est réveillé. Ok. Mémoire redémarrée. Je me souviens de tout. Supprimer la menace des étalons. Yes. Menace des étalons supprimée. Ah. Lui. Est-ce qu'il va nous rester un dernier niveau? Tout à fait. Eh bien les amis, nous le découvrirons dans ce qui sera probablement le dernier épisode de Narita Boy. J'espère que vous kiffez. Cet épisode a été un petit peu plus long que d'habitude, mais compliqué le combat contre lui. Ça pouvait pas se passer autrement de toute façon. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouvera donc pour l'épisode 17 de Narita Boy. C'était Brocorse, je vous dis à plus.